c'est Etium, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous allez à fond, parce qu'aujourd'hui, moi, ça tranquille, parce qu'aujourd'hui, les gars, j'ai un commentaire, un gameplay de malade, les gars. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la H3ZK Clan, et aujourd'hui, je vous présente un petit peu le magnifique gameplay qui est sous vos yeux. Il s'agit tout simplement d'un world first, d'un world record. Il s'agit tout simplement d'une nuque, une double nuque, only 360 à la Scarage silencieuse, avec en score streak le drone, la microstation orbitale, le système UM, sur la map Meltdown du joueur I'm Turns. Voilà, un énorme world record, un world first, c'est vraiment un truc de ouf. Déjà que faire une nucléaire normale, bon, quand on est joueur perf ou une double nuque, c'est facile. Une nucléaire only 360, ça commence déjà à être chaud. Mais là, une double nucléaire, franchement, un énorme GG à toi. Donc pour ce gameplay, les gars, on va tenter d'envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, tels que Code QG et Code CF, ainsi que bien d'autres. Ça nous fait vraiment hyper plaisir d'être upload, parce que franchement, c'est vraiment un gameplay qui, je pense, mérite d'être vu par le maximum de personnes. C'est vraiment un gameplay de malade, voilà, donc n'hésitez vraiment pas, ça nous ferait vraiment hyper plaisir d'être upload. Et pour vous accompagner sur ce magnifique joli gameplay, j'avais tout simplement envie de vous parler, de faire un petit sujet tout simplement avec vous, et aujourd'hui de vous présenter le top 10 des plus grands danseurs et danseuses de toute l'histoire, voilà. Donc je vais vous commencer, donc il y aura des petites images, etc. en fonction de la position, etc. Je vais vous faire une petite biographie, etc. Donc les gars, pour la 10ème place, on se retrouve avec Beyoncé. Donc Beyoncé, vous devez sûrement la connaître, c'est sûrement l'une des personnes les plus connues dans le monde entier quasiment. Donc c'est Beyoncé est née le 4 septembre en 1981, donc c'est une artiste américaine qui a été renommée et connue dans le monde, donc elle est connue mondialement. C'est une excellente danseuse et chanteuse qui chante et danse sur du R&B, du hip-hop et du soul. Voilà, franchement, c'est une personne très connue, vous la voyez sûrement à la télé très souvent. Donc voilà, donc elle occupe la 10ème place. La 9ème place, on se retrouve avec Madonna. Donc Madonna aussi, vous devez la connaître. C'est une artiste américaine qui est née le 16 août 1958. Voilà, donc elle est plus toute jeune, hein. Donc elle est surnommée comme la reine du hip-hop. Voilà, c'est connu comme être une excellente danseuse lors de ses clips et en général. Voilà, donc pendant ses clips, vous avez pu l'apercevoir. On la voit vraiment beaucoup danser. C'est vraiment une excellente et talentueuse danseuse. À la 8ème place, on se retrouve avec Shakira. Shakira, vous devez sûrement la connaître, surtout pour sa chanson Waka Waka et Loka Loka. Voilà. Donc qui a été la chanson de Waka Waka, la chanson de la Coupe du Monde, voilà. C'est une artiste et danseuse colombienne, née le 2 février 1977, voilà. Elle a vraiment fait des titres qui ont fait vraiment le buzz sur YouTube, et même en général à la radio, etc. C'est vraiment une excellente chanteuse et danseuse, donc elle est compositrice, productrice, franchement, elle couvre un large choix de catégories, voilà, elle fait vraiment tout, elle peut vraiment tout faire, c'est pour ça qu'elle s'inscrit à la 8ème place dans ce top 10. À la 7ème place, on se retrouve avec Chris Brown. Chris Brown, c'est un chanteur qui est un chanteur-danseur né le 5 mai 1989. Voilà, il est américain et c'est vraiment une personne qui est vraiment dotée d'un talent immense. Donc, c'est une personne qui est très 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 populaire et vous avez sûrement dû le voir sur plein de clips qui passent à la télé, etc. Donc, c'est vraiment pour ça qu'il occupe la 7ème place. À la 6ème place de ce top 10, on se retrouve avec Prae Ubu Deva. Voilà, donc c'est une personne qui est inconnue en Europe, mais qui a vraiment un talent qui est immense, puisque tout simplement il est comparé à l'une des plus grandes stars de toute l'histoire, voilà, qui est tout simplement Michael Jackson. Il est surnommé comme étant le Michael Jackson indien, voilà. Donc déjà, rien qu'avec ce surnom, ça montre vraiment que c'est vraiment une personne qui est très talentueuse, voilà, donc c'est pour ça qu'il occupe la 6ème place. À la 5ème place, on se retrouve avec le groupe Les Twins, voilà, donc enfin un groupe français qui occupe cette 10ème place, voilà, donc c'est un groupe français composé de deux personnes originaires de Guadeloupe, je crois qu'ils sont frères si je ne me trompe pas, parce qu'ils se ressemblent énormément. Donc ils pratiquent le hip-hop et ils ont été reconnus à l'émission La France a un incroyable talent, vous avez sûrement dû les voir si vous regardez un petit peu la D. Et ce sont les danseurs de Beyoncé. Donc voilà, moi je dis ça, s'ils sont danseurs de Beyoncé, c'est pas qu'ils doivent être assez incompétents, on va dire. À la 4ème place, on se retrouve avec Lady Gaga. Donc Lady Gaga, c'est vraiment une artiste américaine qui est connue sous le nom de la reine de la pop. Elle est née en 1986 et le 28 mars. C'est une artiste très connue et très populaire qui aime bien faire parler d'elle sur les réseaux sociaux, etc. Vous avez sûrement dû la voir. Mais malgré cela, c'est vraiment, il s'agit tout simplement d'une excellente danseuse, voilà.
Franchement, elle est vraiment très talentueuse, même si elle veut provoquer le buzz avec des tenues un petit peu olé olé, si vous voyez ce que je veux dire un petit peu. On entend souvent parler d'elle, voilà, mais ça n'empêche pas tout simplement qu'elle ait un talent et qu'elle sait très 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 bien danser. Voilà, c'est vraiment une personne incroyable, voilà, même si je ne l'aime pas particulièrement, mais il y a des personnes qui l'aiment, donc voilà. Mais je dois reconnaître quand même qu'elle sait très vraiment très bien danser, donc c'est pour ça qu'elle occupe la 4e place. À la 3e place, on se retrouve avec Usher. Usher, le danseur. Le danseur chanteur, c'est une personne très proche qui est une personne très proche de Michael Jackson, voilà, avec un talent époustouflant. Il a dansé plusieurs fois sur scène avec Michael Jackson. Voilà, donc ce Usher, il est né le 14 octobre 1978 et c'est encore un artiste américain surnommé il est surnommé comme étant le roi de la pop. Voilà, donc il y a beaucoup de reines, de rois de la pop, etc. Ne vous inquiétez pas, il y en a un, il est largement au-dessus de tout. Vous devez sûrement savoir qui c'est, mais en tout cas, je vous le cache pas le suspense, même si vous savez qui c'est, etc. Donc les gars, à la 2e place, on se retrouve avec Marques Scott. Donc c'est une personne qui a été connue via internet. C'est un danseur hors du commun dans le domaine du popping dance. Donc le popping dance, c'est un mouvement, ce sont des mouvements fluides et saccadés qui visent à défier la gravité et tout en étant dans le rythme de la musique. Voilà, vous avez sûrement dû déjà en voir genre dans les rues de Paris, etc. Il y a des très 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 bons danseurs qui font ce style de danse, le popping dance. Voilà. C'est vraiment, j'admire vraiment les personnes qui font ça parce que c'est vraiment un talent époustouflant. En tout cas, voilà, il mérite largement sa 2e place dans ce top 10 des meilleurs danseurs de toute l'histoire. Et à la première position, on se retrouve tout simplement avec Michael Jackson. Voilà, la personne la plus connue dans le monde entier, voilà, qui est née le 29 août 1958 et décédée malheureusement le 25 juin 2009 à l'âge de 50 ans. C'est le meilleur danseur de tous les temps. C'est le roi de la pop, hein. C'est même plus voilà, c'est vraiment le roi de la pop. C'est le créateur du moonwalk avec des chorégraphies qui sont vraiment époustouflantes. Vous savez automatiquement, vous savez directement, c'est obligé que tout le monde connaît Michael Jackson. C'est l'artiste de danse qui a marqué toutes les époques par son talent époustouflant et qui a marqué toutes les générations. Voilà, c'est vraiment un artiste qui a marqué tous les esprits. Même s'il est plus là, il marque encore toujours les esprits. Donc j'espère que ce petit top 10, voilà, sur le petit top 10 des 10 artistes, des 10 danseurs et danseuses, les 10 plus grands danseurs et danseuses de toute l'histoire vous aura plu, voilà. Même si j'ai un peu bégayé, excusez-moi, je fais ça un petit peu à la voile again. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que le gameplay Warp First vous aura fait plaisir, voilà. Donc on va présenter un petit peu la chaîne rapidement, au cas où si on passe sur des chaînes communautaires, voilà. Donc là, H3ZK Clan, voilà, c'est une team performance, voilà. N'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne, on fait vraiment des gameplays énormes. Et puis si vous avez un petit peu le temps, n'hésitez vraiment pas à venir voir ma chaîne YouTube. Voilà, donc je fais du troll, du fun, etc. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Je remercie énormément la H3ZK Clan de m'avoir confié ce gameplay, ce commentary. Ça me fait vraiment hyper plaisir. Voilà, donc sur ce, cette petite vidéo est finie, voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé. Et sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée à tous. Allez, c'était Lithium, allez, peace. Système IEM allié activé.